préparer les commandes et ensuite. Et du coup, je vais pas tarder à commencer. Sachant qu'il y a quand même des personnes qui en ont pris deux. Et il y aura les commandes d'aujourd'hui que je préparerai plus tard. Et je livrerai tout demain matin à la poste. L'étiquette. Coucou, donc c'est Lucie et me revoici pour un nouveau vlog. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vlogué. Je me suis mis un t-shirt à la va-vite. Il est un peu froissé, je vous l'avoue. Mais franchement, je vais juste aller faire du sport. Je descends juste en bas. J'ai même pas envie de faire l'effort de le repasser ou autre chose. Je vais faire du sport, il est très tôt, il est 6h45. Je pense que je vais pas croiser grand monde. Je fais mon petit sport, je remonte et je me prépare à glissance à récupérer à la fac. Je suis contente, je vous ramène avec moi et j'irai peut-être me prendre un bubble tea sur la route. Donc je vais m'apprêter quand même, sachant que je serai à Paris, donc j'irai directement prendre mon petit bubble tea. Donc là dans le fond, vous voyez mon balai et la serpillière. Voilà, au cas où vous vous demandiez. Ah, j'ai déménagé aussi, je vous l'ai pas dit. Du coup j'ai déménagé depuis, bah j'avais pas trop le choix. J'étais dans une résidence étudiante, enfin je pouvais pas rester. Et bah là je dois encore rester un an. Voilà, c'est un logement provisoire. Je vous en parlerai une prochaine fois, je vous montrerai un petit peu. Mais oui, j'ai déménagé depuis un an à peu près. Depuis un an, qu'est-ce que je raconte? Depuis un mois à peu près, voilà. Et je dois partir dans, enfin je dois chercher dans un an. Donc pour le moment je suis en pleine recherche d'appartement également. Donc aujourd'hui programme séance de sport. Je vais à la salle de sport. J'ai fait une lessive en même temps juste à côté. Donc ma lessive est en train de tourner. Donc j'ai à peu près 30 minutes devant moi. Je vais faire un petit peu de sport. Et je pense que quand il y aura le séchage, j'aurai encore 30 minutes. Je pense pas que je ferai 30 minutes, mais je vais essayer de faire à peu près 45 minutes en tout. Voilà, sachant que le temps de prendre les vêtements, etc., ça me fait perdre un petit peu de temps. Du coup, voilà, c'est parti pour 45 minutes de sport. Je vous montre les machines. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-unes et c'est plutôt pas mal. Donc, on voit dans le miroir. Voilà, donc on me voit dans le miroir, juste ici. Voilà. Et du coup, je vais pas tarder à commencer et je vous dis à tout à l'heure. Bon, et bien pour ce midi, ça sera saumon. Donc j'ai fait deux pavés de saumon. Peut-être que je vais en manger un ce soir. Je vais en prendre un seul pour ce midi. Et là, je vais cuire de l'eau pour les pâtes. Je vais juste me prendre des pâtes de ramen. Ou peut-être juste des panzani, je sais pas, je vais voir. Et là, je vais partir prendre une douche et je vous reprends tout à l'heure. Maquiller un petit peu parce que je vais me promener un peu. Je vais prendre un bubble tea. J'ai trop envie d'un bubble tea depuis quelques semaines. Et ensuite, je vais récupérer les documents à Paris, prendre un bubble tea et je rentre à la maison. Et je vais essayer de voir mes parents cet après-midi. Je sais pas ce qui est tombé, mais je vais voir. Hop, donc voilà, ça c'est pour maintenant et ça sera pour demain. Je l'ai déjà mis dans un tupperware.
Et voilà. Je vous ai aussi annoncé que j'ouvrais ma boutique en ligne. Et vous avez bombardé pour les commandes. Vous êtes trop fort. Du coup, là, j'ai fini la préparation des commandes d'hier, juste celles d'hier. Et j'ai encore eu des commandes aujourd'hui, donc je suis encore ravie. Continuez comme ça, vraiment ça me fait plaisir. Et j'ai hâte que vous les receviez et d'avoir vos retours surtout. Je vais vous montrer un petit peu les commandes que j'ai déjà préparées. Donc voilà, là ce sont les commandes d'hier. Et sachant qu'il y a quand même des personnes qui en ont pris deux. Et il y aura les commandes d'aujourd'hui que je préparerai plus tard. Et je livrerai tout demain matin à la poste. Voilà, donc je vous ai montré un petit peu les commandes. Donc là, je vais aller me coiffer un peu. Mes cheveux sont vraiment cassés au bout. Je sais pas si vous voyez. Je les ai pas lissés, je les ai juste étirés. Étirés un peu. Du coup, là, je vais juste aller me préparer. Et on va aller chez moi pour que je prenne d'autres enveloppes. Parce que vous avez bombardé les commandes, que j'ai pas ramené assez d'enveloppes. Et des enveloppes plus grosses parce que certains ont commandé 2 à 3 fiches mémo. Du coup, ça rentrera pas dans mes petites enveloppes. Je vais vous montrer les petites enveloppes. Hop, voilà. Du coup, elles sont comme ça. Du coup, ça prend une fiche mémo, mais ça peut pas en prendre plus. Donc je vais prendre d'autres enveloppes et je vais également prendre des enveloppes neutres parce que là elles sont roses. Et quand je regarde les noms, je vois qu'il y a pas mal de garçons qui ont commandé. Donc je pense que je prendrai, j'ai des enveloppes je crois marron. Et du coup je vais, qu'est-ce que je raconte, je vais prendre d'autres enveloppes aussi. Donc je vous reprends. Bon et bien je viens d'arriver chez moi, donc j'ai été prendre les autres enveloppes. Voilà, j'ai les roses ici. Et j'en ai qui sont un petit peu plus neutres, quoi. Et j'en ai des cartonnés aussi. Ah, voilà. Je vais envoyer avec celle-ci, je pense. Hop. Voilà. J'ai que cette petite boîte. Je pense que je vais me racheter une autre boîte beaucoup plus grande avec toutes les enveloppes. Et bien, voici les colis que j'ai emballés. Donc, il y en a une quinzaine, il me semble. Je les ai retournés afin que vous ne puissiez pas voir... l'étiquette, mais voilà, j'ai collé une petite étiquette comme ça et je vais aller tout affranchir à la poste. Je vais le faire et je vous reprends tout à l'heure. Donc là je suis en train de préparer les commandes parce que j'ai fait une vidéo sur TikTok et j'ai eu plein de commandes, donc voilà tout ce que je vais envoyer. Franchement je dois même recommander des enveloppes sur TikTok, ils ne blaguent pas, ils ont fait la razzia. J'espère vraiment que ça va plaire et voilà. Donc là, je suis en train d'imprimer et préparer les commandes. Et ensuite, je vais voir un ami qui va m'aider à faire des commandes. Donc du coup, je pense que ce week-end, ça sera total commande et je suis trop contente. Voilà, à toutes. Je pense que je vais clôturer cette vidéo maintenant parce que j'allais commencer un vlog où j'allais chercher mon diplôme, etc. Et voilà, je pense qu'on est sur la fin et j'ai pas dû vous dire au revoir. Donc je vous souhaite une bonne journée et bye. Tchuss. Fred, c'est mort. Le 17 juillet. Oh, voici Neil. C'est Neil ici. Et là, c'est Peter. Il était à la retraite en Floride. Il y avait quelque chose qui clochait pour moi depuis le début. Night.